Hello, those of you watching from home, participating today. Dans un premier temps, j'aimerais vous dire à chacun d'entre vous un grand merci. I want to thank each and every one of you with all my pour votre heart. Soutien, vos prières. Thank you for your support. Thank you for your prayers. Vos mails, vos textos. Your messages, your texts, your emails. Et vous savez, ça fait presque 2 mois à un jour près que quelqu'un voulait me mettre hors circuit. It was about 2 months ago that somebody wanted to take me out of the picture. Mais Dieu merci que Dieu m'a remis sur mes jambes. But I bless the Lord my God because I am standing up today. Vous savez, avant d'aller dans la parole, ces 5 dernières années que ma famille et moi nous avons vécues, ce sont 5 dernières années que je peux dire très compliquées et très difficiles. Before we look into the Word of God today, I just want to say one thing. The last 5 years that my family and I have experienced, I could honestly say were the 5 most difficult and trying times of our life. Ça a commencé avec une réduction de à peu près 50% des revenus sur mon salaire. The first thing that happened was that 50% of my salary was taken away, reduced. Ça a continué avec le fait que Vanessa et moi, on a dû vendre notre appartement. The second trial was that my wife and I had to let go of our apartment because of that. Et ce qui était très triste dans tout ça, c'est que 15 ans d'investissement est parti à l'eau. The most difficult thing about that was that 15 years of investment disappeared like that. Vous savez, si vous n'êtes pas solide en Dieu et dans la parole de Dieu. Now you know, if you are not solidly based in the Lord Jesus and in his word. Je veux dire que la famille, le couple, le mariage, tout peut partir en fumée en un clin d'œil. Anything can disappear in a second, your house, your family, your marriage. Et si ce n'est pas le pire, on a dû, Dieu merci, c'était une bénédiction d'être hébergé chez notre belle-maman pendant 1 an et demi. Now, I can thank the Lord because my mother-in-law was able to house us for over 1.5 years. Et fini par ça, les décès se sont succédés dans ma famille. But after that, there was one death after another in my family. Ça a commencé avec mon frère aîné, mon beau-père, ma mère. First of all, my oldest brother, then my father-in-law, then my mother passed away. Et comme je vous l'ai dit, 2 mois de cela, la maladie a frappé. And then, to top it all off, 2 months ago, sickness tried to enter my body. Et pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai perdu un cousin. And even while I was in the hospital, I lost a cousin. Et croyez-moi, donc quand vous passez ce genre de choses, vous avez intérêt à connaître votre Dieu. And believe me, when you go through that kind of trial, that series of trials, you need to know your God. C'est pour cela que j'aimerais vous encourager, l'Église, que quand vous venez à l'Église, ne soyez pas juste des spectateurs. That's why I want to say to you today, church, when you are part of a church, don't just be a spectator. Soyez des participants. Be a participant. Vous savez, des fois, mon cœur est attristé de voir la parole de Dieu prêchée avec une telle onction. Sometimes my heart is grieved because the word of God is preached with so much anointing. Peu importe qui prêche. No matter who's preaching. On voit les chrétiens en train d'envoyer des messages. But during the preaching, you can see Christians sending messages to each other. Ils sont en train de se poser des questions. Est-ce que je suis bien habillé, bien maquillé? Or thinking other thoughts like, I wonder if I chose the right clothes to wear today. Maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas venu pour obtenir votre approbation ni vos amen. Now, you need to know, I'm not here today to just receive from you your approval or your amen. Mais ce que j'ai appris, jeune dans le Seigneur. But what I've learned is to never let go of the Lord. J'ai eu des mentors qui m'ont appris que lorsque la parole de Dieu est prêchée, ne reste pas inactif.
When the word of God is preached, I cannot afford to remain inactive. Certains d'entre vous, vous allez rappeler du message du pasteur Robert qui disait lambado. Oh oui. Some of you remember a message that Pastor Robert preached once, I think it was at the La Fête de l'Église, with the word lambano. Lambago. Qui veut dire saisir. Which means seize the thing in front of you. Laissez-moi vous dire, quand la parole est prêchée et enseignée, vous devez apprendre à dire, hey, je la fais mienne, cette parole. Let me tell you this, when the word of God is preached, you need to reach out and seize it, capture it, appropriate it. J'attendais un grand amen. I was sort of expecting amen. Bien-aimé, l'église n'est pas faite pour un lieu pour venir prendre votre sieste du matin. The worship service is not a time, a place where you come and take your morning nap. L'église c'est pas un lieu pour avoir la grasse mat. A worship pour avoir quoi? La grasse matinée. The worship service is not the place to come to sleep in. Si c'était le cas, je serais resté chez moi. If that was the case, you could stay at home. Vous savez, on doit être un peuple qui vient dans l'expectative. We need to come to a worship service full of expectation. Attendant que Dieu va faire quelque chose. Fully expecting God to do something extraordinary. Dieu va parler. God speaks. Dieu va guérir. God heals. Dieu va délivrer. God delivers. Dieu va réconforter. God comforts. Dieu va élever. God lifts us up. Dieu va donner des réponses. God answers our prayers. Alors, amen. J'aimerais vous dire, pour moi, c'est un nouveau chapitre que j'ai ouvert sur ma vie. I can honestly say that I am starting a brand new chapter in my life today. Vous savez, des fois, on a l'ordre de l'homme, mais je préfère l'ordre de Dieu. You know, sometimes we base our lives on man's order of things, but I prefer basing my life on God's order. Et vous savez que quand les gens me regardent, des fois, ils me prennent pour une noix. Pour une noix? Une noix. Ça veut dire stupide. Une noix. Ah! Je ne connaissais pas cette expression. People look at me and think I look stupid. Mais le plus important, c'est que nous, on sait qui nous tient debout. But the most important thing is to know who is the one who lives inside of you. Alors, êtes-vous prêt pour la parole? So, are you ready for the word of God today? Autre chose que j'aimerais vous dire, c'est vrai que je suis arrivé juste vers la fin de la parole qui a été donnée par le pasteur Jean-Pierre. Now, another thing I want to say, it's true that this morning I happened to arrive at right towards the end of Pastor Jean-Pierre's word. Et vous savez, j'aimerais juste vous avertir. I just want to warn you about something. Jouer l'église le dimanche, c'est terminus. Playing church, it's over. We're not going to do that anymore. J'aimerais vous dire que pendant que j'étais à l'hôpital, il y a une chose que le Seigneur me parlait, que c'est un temps de distinction. While I was in the hospital, one of the things the Lord told me was that this is a time of distinction. J'ai discuté avec Pasteur Jean-Pierre, j'ai discuté avec Pasteur Robert. I discussed it with Pastor Jean-Pierre and with Pastor Robert. Et il semblerait que la plupart des prophètes que Dieu a suscités dans les quatre coins du monde sont sur la même longueur d'onde. And it appears that most of the prophets that the Lord has raised up in the four corners of the world are saying the same thing. Maintenant, vous savez, j'ai pas le temps de vous caresser dans le sens du poil. Je vais aller droit au but, d'accord? This morning, I'm going to preach the word God gave me. I'm not going to try to tickle your ears or make you comfortable. Laisse-moi te dire, si tu es dans le péché, c'est le moment de sortir dans le péché. First thing I need to say is, if you are in sin today, it is time to come out of that sin. Si tu t'es éloigné de Dieu, c'est le moment de courir, de retourner avec Dieu. If you have been separated from God, it is time to come running back to God. Si tu es froid ou tiède pour le Seigneur, c'est le moment de commencer à être bouillant et passionné pour Dieu. If you are lukewarm for Jesus, it is time to become burning hot for Jesus once again. Laisse-moi te dire, il va y avoir une révélation des fils et des filles de Dieu. Because in the coming days, there will be a revelation in this earth of the sons and daughters of God. Mais ce sera pas des chrétiens du dimanche. But they will not be the ones who play church on Sundays. Mais ce sera des chrétiens qui vivent Jésus H24, 7 sur 7 et 365 jours sur 365 jours. It will be the ones who live for Jesus 24 hours a day, 365 days a year. On n'a plus le temps de jouer, bien. Because we no longer have time toi to play church. Jeune, especially if you're young. Si tu es dans la salle, if you are in this room today, tu es à la maison, tu es if you are listening to this message by internet, j'aimerais te dire, fixe tout ce que tu dois fixer. I want to tell you this.
fix or a plan, put into place what you need to put into place. Mets ta vie en ordre. Put your life in order according to the Lord. Parce que croyez-moi, ça va brûler. Because it's going to burn. Ça va être chaud. It's going to get hot. Vous pensez que c'est chaud maintenant? You think it's hot now, just wait. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. You don't have any idea of what it's going to be like. Dieu va faire la distinction entre l'authenticité. God is going to make a distinction between what's authentic et la camelote. And what's fake. Alors j'aimerais te poser cette question. Quelle partie que tu choisis? So which are you going to choose? Est-ce que tu as envie d'être un chrétien ou une chrétienne authentique? Do you want to be an authentic Christian? Ou tu as envie d'être de la camelote? Or do you want to be a fake juste Christian? Juste qui fait du bruit. Juste qui fait du bruit. A Christian that only makes noise. Vous savez, un chrétien ou une chrétienne qui fait du bruit, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de résultats. You know, there are lots of Christians, all they do is make noise, but there's never any change or transformation in their lives. Vous savez, ils jeûnent 40 jours, ils prient 4 heures par jour. They're even capable of fasting for 40 days. Et lorsque vous regardez leur vie, c'est très dur de voir Jésus dedans. But even when you look at their lives, it's hard to see Jesus in them. Maintenant, vous m'excusez, c'est vrai que longtemps vous m'avez pas vu. Now, I do ask for forgiveness. It's been a long time since you've heard me preach. C'est parce que je vous aime, c'est pour ça que je vous dis ça. But I am saying these things because I love you guys. On n'a plus le temps de jouer. We don't have time to play church. Vous, l'église du Bon Berger, vous n'avez plus le temps de jouer. Church of the Bon Berger, you don't have time to play church. Vous, les enfants de la MAE, vous n'avez plus le temps de jouer. Children watching through the ministry of children's ministry in this church, you don't have time to play church. Vous, les jeunes, vous young n'avez people, plus le temps de jouer. You no longer have time to just play church. Je vous l'ai dit maintenant à vue de voix. I've said that message, now it's up to you to change. Amen. À vous de choisir. It's up to you to choose. À vous de choisir. It's up to you to choose. Vous, époux, vous avez intérêt à prendre votre place en tant que pilier de votre maison et de votre famille. Let me speak to husbands. It is time for you to rise up and take your place in your household as a pillar of your home. Et vous, épouse, vous avez intérêt à prendre votre place, à vous soumettre sous la mission de votre époux pour faire l'œuvre de Dieu. Let me say this to the wives. It's up to you to learn how to be submitted to the spiritual covering in your husband of your home and be submitted to the will of God. Et vous, enfants, vous avez vraiment l'urgence de vous mettre sous le parapluie de vos parents. And you, children, you are under the spiritual covering, the umbrella of your parents. And that's a wonderful thing. Toi qui es rebelle. However, if you're rebellious, change cela. It is time to change. Parce que crois-moi, ce qui va arriver dans les jours, dans les temps, dans les saisons à venir. Because believe me, whatever is coming in the days to come. Vous avez intérêt à connaître votre Dieu. You need to make sure you know God. À savoir en qui vous avez cru. You need to know in whom you have believed. Laissez-moi vous dire quand le 17 juin, j'ai eu cette douleur et que j'ai dû aller aux urgences à l'hôpital. Let me tell you my testimony. On the 17th of June, I was gripped by intense pain and I was rushed to the emergency room. Laissez-moi vous dire, c'est vrai que je ne suis pas là pour parler de moi, mais j'aimerais vous dire, vous avez intérêt à connaître votre Dieu. At that kind of pain, you better believe it, you need to know who God is. Vous savez, ce que l'ennemi avec lequel il m'a frappé, croyez-moi, il y en a qui se sont retrouvés en réanimation, il y en a qui ne sont même pas sortis dans réanimation. You know, the same intensity with which I was struck, other people were also taken to the emergency room and some of them didn't come out. Mais Dieu est là. But God was there. Dieu est avec nous. God is with us. J'aimerais vous parler sur le fait d'être stable dans un temps instable. My message today is being stable in a time of instability. Alors j'aimerais te poser cette question. Let me ask you a question. Comment tu te ressens en ce moment? How do you feel this morning? Es-tu stable, Christian? Is your life stable? Vous savez, cette parole qui a été donnée, je me rappelle, je regardais les cultes à la maison. I remember once I was doing a Bible study at home. C'est que Dieu va ramener la stabilité dans la maison. God told me at one point that he wanted to establish stability in my home. Mais la question c'est, dans un temps pareil, qui choisissez-vous de croire? So, when you're confronted by this
The question is, who are you going to choose to believe? Dans un temps pareil, l'Église, qui choisirez-vous de croire? In these days in which we live, Church of God, who do you choose to believe? Est-ce que vous allez croire les circonstances, les situations, les médias? Are you going to believe the media, the circumstances, the situation around you? Ou vous allez choisir de croire en Dieu or et en sa parole? Or are you going to choose to believe God and believe His word? Certes, nous vivons dans un temps très particulier, bien-aimés. We are living in very difficult times, of course. Un temps incertain. There's a lot of uncertainty. Nous entendons catastrophe après catastrophe. We hear one catastrophe after another. Je veux dire les choses qui semblent être, qui avaient une certaine stabilité, tout est en train de s'écrouler autour de nous. And even the things that appear to be stable, they're all falling apart. Et sans se rendre compte, on constate que tout le monde est en train de vivre dans l'incertitude, dans le désespoir et dans la peur. And without even realizing, the population lives in a state of insecurity, uncertainty and fear. Et j'aimerais vous poser cette question. Qu'en est-il de vous et moi, l'Église du Dieu vivant? So, let me ask you this question. What about us, you and me, the Church of Jesus? Sommes-nous dans la même condition que le monde est en train de vivre aujourd'hui? Do we find ourselves in the same condition as the people in the world around us? Sommes-nous dans l'incertitude? Are we in the same kind of uncertainty? Sommes-nous dans le désespoir? Are we in the same kind of panic? Sommes-nous dans la peur? Are we in the same kind of fear as they are? J'aimerais vous souligner, si aucun prophète vous l'a dit, mais moi je vous le dis. Maybe no other prophet has said this, but I'm here to tell you something today. Les choses ne vont pas s'améliorer. Things are not going to get better. Bien au contraire, les choses vont s'empirer. To the contrary, things are going to begin to get worse. La raison pourquoi cela rend cette saison et ce temps particulier. And the reason we need to believe God in this very difficult time. La raison pourquoi cette saison elle est vraiment particulière. The reason this period is such a difficult time. C'est pas quelque chose en Europe, en Asie, en Afrique ou en Amérique. C'est quelque chose au niveau mondial. It's not just something in Africa, in Asia, in America, in Europe. No, it's covering the entire globe. Ce qui veut dire que toute la terre va y passer. That means that every part of the earth is going to go through this. Maintenant, j'ai beaucoup d'écritures, mais j'aimerais que vous écriviez des notes. Je vais vous donner les citations avec les références parce que vous savez, là, ce que je vais vous donner, c'est quelque chose que je devrais peut-être prendre du temps pour lire, mais on finira peut-être demain minuit. The message the Lord's given me is actually full of many, many scriptures. So what I'm going to ask you to do today is simply note the references, because if I were to read every single passage, we'd be here till tomorrow morning. Vous savez, 20 ans de ministère, j'ai jamais eu un message qui a eu autant d'écritures. In 20 years of public ministry, I have never received a message with so many scriptures. Donc, en disant ceci. So, as I say this. C'est vrai que j'ai jeté vraiment un seau de glace sur tout le monde là. It feels like I threw a bucket of cold water on everybody, but. Est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de retirer la tête de l'eau. Alléluia. But we're gonna come together now and we're gonna bring our heads up out of the water. Point numéro un. Here's number one. Quelqu'un dit point numéro un. You can say it. Point numéro un. Deux choses que je ne dois pas négliger. There are two things that I must absolutely never neglect. Écoute, croyez-moi, lorsque le Seigneur m'a ramené au travers de ce voyage, j'étais là en train de dire, ah ouais, c'est vrai. Listen, when the Lord took me through these scriptures, every single time I was going, oh, yes, absolutely, you're right, Lord. Mais le problème, c'est que c'est pas ce que la parole de Dieu te dit, est-ce que vraiment ma vie, elle est accrochée à cette parole? So the problem is not what the word of God says, is how much does my heart attach itself to his truth? Qu'en est-il de ces événements? What do we see when we look at today's circumstances? Premièrement, nous ne devons pas négliger le fait que Jésus nous a déjà prévenu ce qui allait arriver. Number one thing to never forget, Jesus already knew what was going to happen. Ces événements qui arrivent, ceux qui vont à venir, qui sont à venir, ne devraient pas nous choquer. Jésus nous a avertis. The circumstances that have already happened and the ones that are going to happen should never shock us because Jesus knows exactly what's going to happen. J'ai pas le temps de lire, mais écrivez ceci. Les références sont Matthieu, le chapitre 24, le verset 1 à 15. Write this down. Matthew, chapter 14, from verses 1 to 15.
Matthieu, le chapitre 24, le verset 1 à 15. 24? Oui. Sorry, it's Matthew 24, not 14. Matthew 24, 1 to 15. Allez à la maison, lisez ces versets, laissez ces versets vous inspirer. Let these verses inspire you about what's going to happen in the future. Deuxièmement. Second thing. Nous connaissons déjà la fin. We already know the end of the story. Oh, il n'y a que pasteur yeah, Jean-Pierre okay. qui a compris. Pastor Jean-Pierre knows the end of the story. Peut-être je devrais me tourner et prêcher que là-bas. Hey, maybe I should preach to him today. J'ai dit, nous connaissons déjà we la fin. Already know the end of the story. Ce qui veut dire que peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, no matter what you experience, no matter what you go through, on connaît déjà la fin. You already know the end of the story. Who has the last word? Tu sais, en ce moment, je m'assois avec mes deux enfants, ce que je les transmets, je leur dis, voilà les pépites d'or qui m'ont tenu jusque-là aujourd'hui. I share with my own children the jewels, the gold that I have received from the Lord. Et je leur dis, quand le diable me fatigue tellement que j'en peux plus, and even when, I tell them this, when you get to the point where the devil has made you so exhausted you can't go on, j'ouvre le livre et je lis l'histoire à la fin. I open my Bible and I read the end of the book. Je lui dis, ne pars pas, je ne suis pas en train de te résister, laisse-moi finir de lire. I say, don't, I'm not going to take time to resist you now, I'm just going to announce to you the end of the story. À la fin, je gagne. And this is the bottom line. The à end of the fin, story, we win. Perds. At the end, Satan, you lose and I win. Et maintenant? So, que dis-tu à propos de what ça? What are you going to say to that? Tu vois, ta vie doit être fondée sur quelque chose. Our faith is based on something. Premièrement, nous avons été prévenus que ces événements vont se produire. First of all, we see that in the Word of God, these things have already been announced. Et deuxièmement, nous connaissons la fin de l'histoire. And the second thing is that we know the end of the story. Vous pouvez écrire Apocalypse, le chapitre 20, le verset 7 à 15. Write this down, Revelation, chapter 20. Verses 7 to 15. Et ensuite, Apocalypse, le chapitre 21, le verset 1 à 5. As well as Revelation 21 and verses 1 to 5. Tout le monde là, c'est bon? On peut continuer? Has everybody written those down? These are very important scriptures. Vous savez, je ne suis pas venu pour crier ni pour prêcher, je suis juste en train de vous donner ce que j'ai reçu. I just need to equip you today. I'm not just here to preach to you, okay? I need to give you some weapons. Vous savez, un chrétien doit avoir de la matière dans sa vie. You know, a Christian should have that kind of mastery of God's word in his life. Amen. Amen. Mais avec tout ce que je suis en train de dire, deuxième point, avons-nous un fondement? Second point that I need to tell you is this. Examine your foundations. Do you have a solid foundation? N'oubliez pas, point 1, c'est que nous savons que Jésus nous a déjà dit ce qui allait arriver. Deuxièmement, nous connaissons la fin de l'histoire. So don't forget, point number one, Jesus knew what was going to happen. Point number two, we know the end of the story. Deuxième point, avons-nous un fondement solide? The next thing to look at is your foundation. Do you have a solid foundation? Allons dans le livre de Matthieu, c'est des versets que tout le monde connaît. I can give you the verse out of the book of Matthew, you already know it. Nous allons voir Matthieu le chapitre 7. We're going to read it together anyway. Matthew chapter 7. Juste quatre versets, du verset 24 jusqu'au verset 27. And we're going to see verses 24 to 27. Vous y êtes? Is everybody there? If not, it's on the screen. Vous qui êtes à la maison, ne décrochez pas, ne dormez pas. Those of you who are at home, don't go to sleep now. Don't get disconnected. Parce que c'est ce qui va vous soutenir jusqu'à la fin. Because this word is going to give you something to hold on to all the way to the end. Le verset 24 du chapitre 7 de livre de Matthieu nous dit. Matthew 7, 24 says this. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne la met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. You see, the house built on the rock did not fall, but the house built on the sand
fell during the storm. C'est une histoire que tout le monde a lu maintes et maintes fois. I know many of you have read this passage over and over and over again. Mais j'aimerais vous dire, la clé de cette histoire, elle est très révélatrice. The key to this story, this passage is very revelatory. Premièrement, nous voyons qu'il y a deux hommes, deux types de personnes dans cette histoire. First of all, we see two types of people in this story. Deuxièmement, nous voyons deux types de maisons dans cette histoire. And secondly, we see two types of houses in the story. Troisièmement, nous voyons trois types de fondements dans cette histoire. Third thing we see is two types of foundations. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Il y a le chiffre 2 qui se répète. Do you see how often two, the number two is repeated? Mais ce qui m'a intrigué, c'est qu'il y en a une chose qui se répète qu'une fois. But there's another point that's only repeated one time in the whole story. Il y a deux maisons, deux types de personnes, deux fondements, mais il y avait une tempête. Two types of people, two types of houses, two types of foundation, but only one storm. Vous savez, beaucoup de fois, quand j'ai grandi avec les mentors que Dieu a envoyés dans ma vie, ils me posèrent cette question, qu'est-ce qui a détruit la maison Sam? And a lot of times, as I was growing up in my spiritual life with different mentors, they would ask the question, what is the kind of house you're building, Sam? Qu'est-ce qui a détruit la maison, Sam? What destroyed the house in this story, Sam? Beaucoup d'entre nous, nous allons dire, c'est la tempête. A lot of us will say, well, the storm destroyed the house. Mais j'aimerais vous dire, c'est pas la tempête. That's not the right answer. Parce que les deux maisons ont subi les mêmes choses. Because both houses were experiencing the same storm. Et qu'est-ce qui a détruit une maison et non pas l'autre? So what's the difference between one house that was destroyed and the other that wasn't? Le fondement. The foundation. There you go. Ce qui veut dire que nous tous ici présents, vous devez réveiller à cette réalité. Dans la vie, vous allez faire face à des turbulences, à des tempêtes et à des vents violents. So this is the truth that all of us will confront. We will have to deal with storms in life. Comme je vous ai dit, ces cinq dernières années pour moi, ça peut être perte d'un proche, ça peut être financier, ça peut être le travail, ça peut être peu importe. As I explained to you from the last 5 years of my life, it could be the loss of a job or the loss of a loved one or the loss of a house, whatever. Mais le plus important, c'est d'avoir un bon fondement. But the whole thing, the very important thing to know is what is the condition of your foundation. Bon berger, as-tu un bon fondement? So, Church of God, bon berger, do you have a solid foundation? Sur quoi ta vie, elle est bâtie? On what have you built your life? Je ne suis pas en train de te demander pour ta réponse du dimanche. Je parle de ta réponse du lundi au samedi. I'm not talking about your life on Sunday mornings. I'm talking about your life from Monday through Saturday. Parce que c'est facile quand il y a l'onction de dire tout va bien. You know, it's very easy when the anointing is here to say, oh yeah, everything's great. Mais lorsque les tempêtes violentes frappent ta maison. But when the storm comes and hits your house. Lorsque les tempêtes frappent ta famille. When the storm comes and hits your family. Lorsque les tempêtes frappent tes finances. When the storm comes and hits your finances. Lorsque les tempêtes frappent ton mariage. When the storm comes and hits your marriage. Lorsque les tempêtes frappent ton travail. When the storm comes and hits you at your workplace. As-tu un bon fondement? Do you have a solid foundation? Là est la question. Là est la question. That's the question. Maintenant, c'est pour juste aller là où on doit y aller. Je vais être rapide, d'accord? I'm just going to summarize so that we get to our objective today. Touche à la personne à côté de toi, dites, on va être un peu speed. So we're going to shift into fifth gear. Tell your neighbor, we're shifting to fifth gear. Mais ce que Jésus a dit, c'est quand même important. Il a dit, il faut que celui ou celle ou la maison aux yeux de Dieu, bibliquement parlant, peut représenter la famille. When we're talking about a house, it's not just a building, it also represents the family. D'accord? Okay? Il dit qu'il faut bâtir sur le roc. So your family as well needs to be built on the rock. Maintenant, la question que je me pose, je dis, Seigneur Jésus, c'est bien mignon ça de me dire que je dois bâtir sur le roc, mais que veut dire bâtir sur le roc? I said to the Lord, well, that's great. You're telling me to build my family, build my house on the rock, but what does that mean to build on the rock? Si vous avez prenez des notes, écrivez, j'en ai trouvé, j'ai mis 8 points à peu près. On va pas les évoquer tous, mais je vais vous le donner. C'est gratuit, d'accord? If you are taking notes, just write down. I had found about 8 different things to share. I don't know if I'll get to them all, but they're free. So write them down. Que veut dire bâtir sur le roc? What does this mean? You need to build on the rock. Cela veut dire bâtir sur la parole et bâtir sur les lois spirituelles. Number one, build upon the word of God and spiritual laws. Deuxièmement, bâtir sur la prière et le jeûne.
Number two, build your house on prayer and fasting. Numéro 3, bâtir sur le Saint-Esprit. Number 3, build your house on the Holy Spirit. Quatrièmement, bâtir sur la croissance spirituelle et la découverte de sa mission. Because part of that building is building towards spiritual growth and discovering your mission. Donc quatrième point, bâtir sur la croissance spirituelle et la découverte de sa mission. Point number 4, build on spiritual growth and on the discovery of your mission. Cinquièmement, l'importance d'intégrer une famille spirituelle et mettre ses dons et ses talents au service du royaume de Dieu par le biais de votre église locale premièrement. Number 5, understand the importance of being part of a spiritual family and exercising your gifts and your talents for the edification of God's people. Et si moi vous dis, si on prend ces 8 points, on peut prêcher jusqu'à la fin de l'année dessus. You know, if we were to study these 8 points in depth, we could preach till the end of the year. Vous êtes prêts pour le sixième? Everybody got the first 5, number 6, you ready? Non, j'ai pas l'impression que vous êtes prêts. You know, I'm not sure you guys are non, ready. Non, je vous l'ai dit depuis avant que je commence à prêcher, je vous l'ai dit, il faut apprendre à saisir. Remember what I said at the beginning? You need to learn to see the word, appropriate the word. Maintenant, ça va être un petit peu. Combien d'entre vous, vous savez quand vous buvez le jus de citron, lorsque vous buvez. Have you ever met somebody who drinks like that? Le sixième point, ça va être comme ça. This sixth point is going to make you react like that. La compréhension de la hiérarchie spirituelle dans le royaume de Dieu. Sixth point, understand the spiritual hierarchy in the kingdom of God. Des fois, je suis attristé de voir des gens, de voir juste parce qu'ils ne respectent pas la hiérarchie spirituelle, ils vivent dans la fatalité après fatalité. I am so grieved at how often I see believers who do not understand or respect spiritual hierarchy and they live in this kind of fatalism. Septièmement, bâtir sur une bonne gestion et le management. Number 7. Build your house on good management. Tu sais, Dieu a créé l'être humain. You know, God created human beings. C'est à cause d'une mauvaise gestion que l'être humain a chuté. And in fact, it's because he was not a good steward, a good manager of what God gave him that man fell. Oh, I'm going to say that again. It's too powerful. Bien gérer ta vie, ton temps, ton argent, ton couple, ton mariage, ta famille, et encore. This means being a good steward, a good manager of your time, of your life, of your health, of your money, of your marriage, of your home, all of it. Je vous dis ça. Come on, that's too important, guys. Dernier point, c'est de le comprendre, bâtir sa vie sur le mandat d'aller. Number 8, build your life on the Great Commission. Et ça aussi, le Seigneur est en train de m'asseoir et m'enseigner des choses que j'ai jamais vues pendant ces 20 ans. And during these last few weeks, the Lord sat me down and taught me some things I have never understood before about our mission. Vous savez, c'est comme si ces versets sortent de la page comme ça et me percutent au visage. It's as though when I was reading the words came off the page into me. Et j'ai dit au Saint-Esprit, plus jamais tu fermes cette vanne. And I said, Holy Spirit, don't ever close that flow of revelation. Quelqu'un qui bâtit sa vie sur la parole. Someone who builds their life on the word of God. Quelqu'un dit la parole. Je vous ai pas entendu. Say it louder. Je vous ai pas entendu. Je vous ai pas entendu. Je vous ai pas entendu. Il faut que les gens sur l'internet vous entendent. Il faut que Saint-Denis vous entende. Il faut que le diable et tous ses démons vous entendent. Quelqu'un me dit, mais Sam, qu'est-ce que tu es en train de faire? Some of you are saying, Sam, what are you doing? Ne savez-vous pas qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Don't you know that it is written, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Quand tu le dis, tu l'entends et tu crois. When you say it, you hear it, therefore you believe it. Amen. Amen.
Et l'une des manières de bâtir sa vie sur la parole de Dieu, et je vais conclure pendant ces 10-15 minutes qui me restent, l'une des manières de bâtir sa vie sur la parole, c'est de bâtir ta confiance en Dieu. One way to build your life on the word of God is to build your trust in God. Maintenant, c'est très mignon, ça. Now, it's nice to hear, right? It's a nice little phrase, a cute little phrase. Vous savez, vous m'entendez dire cela, c'est très mignon, c'est très mignon. Mais je le dis là, gentiment, d'accord? I'm saying it nicely to you, and you've heard me say it. C'est, oh oui, je fais confiance à Dieu. And a lot of you are responding in your hearts, oh yes, I trust God. Je rentre dans ma chambre de prière, shakalabalabalabalabala. I know how to pray in tongues. Je veux dire, je suis boosté à bloc. I know how to get boosted up in the spirit. Oh, il n'y a pas plus géant que géant. There are no big giants that I can't defeat. Lundi, je vais au travail. And then Monday morning, mon responsable me dit, je vais te licencier. And my boss tells me, I have to let you go. What happens? We feel defeated. Qu'est-ce que je vais faire? What did I do? Et quelqu'un m'appelle. Somebody calls me. Oh frère, c'est dur. And some they say to me, oh brother, mon it's Dieu, so hard. I'm suffering so je much. Je ne sais plus quoi faire. I don't know what to do anymore. Maintenant, si je vous dis tout cela, je suis qualifié, je pense, quand je vous ai dit tout ce que j'ai vécu, je pense je suis qualifié pour vous dire ce que je suis sur le point de vous dire. Now, I believe that after all that I've gone through in the last five years, I am qualified to share these things with you. Parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre. It's not something I just read in a book, okay? Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris de l'école biblique. It's not something I even learned at Bible school. Voilà ce que ma maison et moi, nous vivons. This is exactly what my and my household is going through. We're experiencing this. Voici ce qui rend la structure des caropens solide. And this is how the whole caropen family is becoming solid. Les tempêtes vont souffler. And that means if the storms come, les vents vont frapper. And the wind strikes my house. Mais la maison ne s'écroule. It will stay standing strong. Parce qu'elle est bâtie sur le roc. Because it's built upon the rock. Ce mot confiance est un mot très intéressant. Now let's look at that word trust or confidence. It's a very interesting word. Ce mot confiance et se confier est mentionné à peu près 152 fois dans l'Ancien Testament. The word itself appears approximately 150 times in the Old Testament. Ce mot traduit un mot hébreu qui signifie alternativement quatre positions. And it comes from a Hebrew word that is used in four different ways or four different positions. Oh, vous allez aimer cela. You're going to love this. This is really good. Ce mot, est, encore une fois, est mentionné 152 fois. Remember, 152 times the word is used. Pas une. Not one time. Pas deux. Not two times. Pas 50. Not 50 times. Pas 100. Not 100 times. 152. 152 times. In croyez-vous que Dieu veut gagner notre attention? Do you think God wants to talk to us about having trust in Him? C'est un des mots quand je lis le livre des psaumes qui ressort. Confie-toi en l'Éternel. Especially in the Psalms, how many times do we read trust in the Lord? Et ce mot est traduit d'un mot hébreu signifiant alternativement quatre positions. Quelqu'un dit quatre positions. The word is translated in four positions. It's an interaction. Vous êtes prêts? Are you ready for these four? Premièrement, veut dire se réfugier. The first position of trust is making God your refuge. Veut dire se réfugier. Or hiding in Him. Maintenant, je ne sais pas pour vous, moi, j'ai grandi à l'île Maurice. Now, for me, I was raised on the island of Mauritius. Quand j'étais enfant, il y avait des cyclones. When I was a child, I remember we used to have cyclones. Et quand il y avait ces cyclones-là, puisqu'on vivait dans des maisons en tôle, qu'on appelait ça des maisons créoles, vous rayonnez, rayonnaise. Hein. And now, because the way of the houses were built in those days, we call them Creole houses, we have these cyclones. Mais des fois, le cyclone, il frappait tellement fort que les maisons ne tenaient pas. But in face of these cyclones, the wind blew so hard that these houses would never remain standing. Et ce qui se passe, c'est que le gouvernement mettait en place un système qui s'appelait le lieu de refuge. And what the government did was create places that they called the places of refuge. Ce qui veut dire que tous les gens que leur maison a été écrasée par le cyclone, ils vont courir pour aller dans le lieu de refuge. So everybody whose house was crushed by the cyclone would run to these places of refuge. Alors quand je regarde ce mot confier lorsqu'il dit te réfugier en Dieu, moi en tant que Mauricien, adopté
par la France, je comprends ce qui veut dire se réfugier en Dieu. So when I understand that the word trust in God means to make God your refuge, I know exactly what it's talking about because I experienced it in Mauritius. Parce que j'ai l'image de ces vents qui frappaient des maisons et que ces gens-là devaient courir au refuge. I remember those winds that would strike the houses and leave them in pieces, so we had to run to the places of refuge. Certes, leurs maisons se sont écrasées, mais quand ils sont dans le lieu de refuge, ils sont protégés, ils ont à manger, ils ont la lumière, ils ont tout ce dont ils ont besoin. So those families, they might have lost their house, but as soon as they run to the place of refuge, they have food, they have light, they have a bed, they have everything they need. Bien-aimés, peu importe les tempêtes que tu passes. No matter what kind of storm arises. Peu importe les cyclones que tu es en train de traverser. No matter what kind of cyclone strikes your house. Si tu apprends à mettre ta confiance en Dieu. If you really learn to trust in God. Tu seras comme ces gens qui seront dans ce lieu de refuge. You will be like those people who hide in the place of refuge. Ils vont regarder le vent. They're going to see the wind. Mais le vent ne va pas d'effet sur eux. But the wind will have no effect. Ils vont regarder le cyclone. They're going to see the cyclone. Mais le cyclone ne pourront pas les affecter. But the cyclone can't even touch ils them. Ils vont regarder les tempêtes. They're going to look at the storm. Mais ils auront à manger chez eux. But they know they're safe in their place of refuge. C'est ce que ta confiance en Dieu fait. That's what it means to trust in the Lord. Il te met dans un lieu de refuge. He places you in a place of refuge. Tu te caches en Dieu. You are hidden in him. Tu dois apprendre dans un temps pareil à te réfugier en Dieu. In these days, you need to learn to take your refuge in God. Laisse-moi te dire, c'est pas dans ton travail que tu dois mettre ta confiance. It's not taking your refuge in your work. C'est pas dans ta richesse que tu dois mettre ta confiance. It's not in your wealth. C'est pas dans quoi que ce soit, ce n'est que en Dieu ta confiance it doit is être. Not in anything else. Your trust has to be in God and God alone. Lorsque tu apprends à mettre ta confiance en Dieu, bien-aimé, tu seras comme ces gens dans son lieu de refuge. When you learn to trust God and God alone, you will be like those people in the places of refuge. Oh, vous savez ce chant qui dit le juste se réfugie. Vous vous rappelez de ce chant? Do you remember a song that said that the righteous make God their refuge? Oh, c'est ce que tu dois faire, bien-aimé. That's exactly what we need oui, to je do. Regarde mes factures, mais je me réfugie en Dieu. All right, so I open my mail, I look at the bills. No, then I go to my place of refuge. Oui, le médecin m'a dit, t'as telle et telle chose, mais je me réfugie en Dieu. I get a phone call from my doctor, he's saying whatever is wrong with me. I hide myself in my refuge. Oui, mon patron m'a dit qu'il va me licencier, mais je me réfugie en Dieu. I go to work and my boss tells me he needs to fire me. That's when I hide in my refuge. Oui, mon banquier me dit que je suis à découvert, mais je me réfugie en Dieu. My bank calls me and says you don't have enough money in your account. That's when I make God my refuge. Oui, mon mariage semble être en train de s'écrouler, mais je me réfugie en Dieu. Maybe my marriage is going through some difficult times. That's when I make God my refuge. Oui, mes enfants semblent être des rebelles et qui sont en train de vivre dans le monde, mais je me réfugie en Dieu. Maybe my children are rebellious and they're starting to lean back towards the world. That's when I make God my refuge. Oui, tout semble s'écrouler autour de moi, mais je me réfugie en Dieu. Everything around me seems to be falling apart, but I make God my refuge. Parce qu'il est mon refuge. That's what it means to trust God. Tu sais, tu ne sais même pas à quel point ce mot a de la valeur aujourd'hui pour moi. You do not have any idea. Parce que j'étais aux urgences. I'm experiencing this, even when I was in the emergency room. Parce qu'ils ont dit ce qui se passait dans mon corps. They were telling me what was going on in my body. Vous savez, vous n'avez aucune idée lorsque un homme comme moi, que j'étais tellement, je dirais, inapte que ma femme devait venir me donner la douche à l'hôpital. I was so weakened because of this sickness. A man like me, believe it or not, my wife had to come to the hospital and give me wash my body. I couldn't even get up. Vous ne pouvez pas sentir en tant qu'un homme plus démuni que ça. You cannot feel smaller than that when you're a man. Certes, il y avait des moments où j'avais envie de tout arracher. Certainly, from time to time, this thought would cross my mind, just let it all go. Certes, il y avait des moments où j'avais envie de déprimer. Certainly, from time to time, I'd be tempted to get depressed. Certes, il y avait des moments où je me suis dit, je ne vais pas m'en sortir. Certainly, from time to time, this thought would say, you're mais not going to mais je me ressaisis. But then I would wake up. Je dis non, peu importe. Shake myself, I would say, peu importe there's no ce way. Que je ressens. Whatever I feel. Peu importe ce que les médecins me disent. Whatever the doctors say. Peu importe ce que je ressens. Whatever I can experience. Peu importe ce que les radios
les scans, les IRM sont en train de dire. Whatever the X-rays say or the scans say. Je choisis de faire Dieu mon refuge. I choose to make my God my refuge. Je veux me réfugier en lui. I make my God my Je refuge. Sais que Dieu va me sortir de là. And I know my God will bring me out of this. Mon refuge. Because he is mon bouclier. He is my shield. Mon protecteur. He is my protector. En qui je me confie. And I trust in him. Mon Dieu. My God. Mon créateur. My creator. Mon sauveur. My savior. Mon protecteur. My protector. Mon bouclier. My shield. Oh mon Dieu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. C'est pour vous dire, vous devez apprendre à le faire. That is what we need to learn to do. N'attendez pas que les tempêtes frappent votre vie. When the storms of life. Non, lorsque cela est encore temps, Jésus dit « Travaille pendant qu'il est encore jour ». Alors j'aimerais te dire, apprends à bâtir ta confiance en Dieu pendant qu'il est encore temps. Learn to trust God now, before the storms get stronger. Mon refuge. He is my refuge. Se réfugier en Dieu. Learn to make Vous savez, maintenant que j'ai vécu tous ces deux mois entre les hôpitaux, les prises de sang, les scans, les radios, je vous dis, j'en avais ras la casquette. You know, I had it up to here for the last two months, going from hospital to emergency room to blood tests to scanners to X-rays. Look. Ne pas pouvoir manger, devoir avoir une sonde pour me nourrir. I wasn't able to eat. The only way to eat was through a tube. Ayant une perte de presque 9 kilos. Et une perte de 9 kilos. And I lost 9 kilos during that time. Et laissez-moi vous dire, vous avez intérêt à connaître votre Dieu. You know, let me tell you this again and again. You need to learn to trust God. Vous savez, j'ai dit à l'ennemi, j'ai dit, hey, tu croyais me mettre KO, mais Dieu m'a remis sur mes jambes. I said to the enemy, you think you knocked me out, but my God put me back on my feet. Maintenant, fais attention, je vais faire deux fois plus mal. So you better watch out now. I'm ready to defeat you. Bien-aimé, certes, c'est pas évident lorsque nous traversons des moments difficiles. We know it's never easy when you go through difficult times. C'est pas facile lorsque nous vivons des duretés de la vie. It's never easy when you go through the difficulties of life. Qui vous a menti en vous disant que ça allait être facile? Who lied to you? Who told you life was going to be easy? Mais peut-être ce n'est pas facile, mais ce ne sera pas impossible. It may not be easy, but it's never impossible. J'ai dit peut-être ce ne sera pas facile, mais ce ne sera pas impossible. I said it's never easy, but it might not be easy, but it's never impossible. Parce que le Dieu que toi et moi nous servons, c'est un Dieu de l'impossible. Because the God that you and I serve is the God of the impossible. Et il a dit que tout est possible à celui qui croit. And he is the one who said. All things are possible to those who believe. Alors peu importe ce que je vis, ce que je traverse. No matter what I go through, what I experience. Je vais me confier en lui. I will trust the Lord my God. Et je vais me réfugier en lui. I will make him my refuge. Est-ce que vous m'entendez? Do you hear his heart today, brothers and sisters? Oh, je pense que Dieu vous est resté sur ce premier point aujourd'hui. You know, I think God just wanted to underscore that first point. He is our refuge. J'aimerais vous dire, c'est de voir des mots. Vous prenez juste un mot d'un verset, vous creusez, c'est tellement riche. That is such a good way to study your Bible. You take one word and you do a deep dive. You look at the meaning. It's so rich when you study the Bible that way. Je prenais les dictionnaires de Young, de Strong. I took every kind of biblical dictionary available, Young's and Strong's. Le dictionnaire Vines qui traduit les mots de l'Ancien et du Nouveau Testament. And commentaries, the Vines expository dictionary that translates the Old Testament and the New Testament. J'écoutais un peu ce que les érudits bibliques qui enseignent dans la racine biblique ce qu'ils disent par rapport à ce que ce mot provient. I listened to other preachers preaching on that one word. Mais je me suis dit, des fois, on utilise des mots, on ne connaît même pas la valeur de ce mot. And I said to myself, sometimes we use words and we don't even know the full meaning of those words. Tu vois, la prochaine fois que tu utilises, tu dis, je fais confiance à Dieu. You know, you don't even realize what you're saying when you say, I'm trusting the Lord. Tu te vois dans le centre de refuge. You've got to see yourself under that refuge. Ce qui veut dire, dans ce centre de refuge, il n'y a pas des pleurs, il y a des réjouissances. There is joy and celebration in the refuge. Ce qui veut dire dans ce lieu de refuge, il n'y a pas de panique, il y a le repos. In the place of refuge, there's no panic, there's only rest. Parce
que notre confiance. Because our confidence is in the Lord our God. Alors peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses. No matter what you're experiencing, no matter what you're going through. Confie-toi en Dieu. Learn to trust the Lord who is your refuge. J'ai dit confie-toi. Trust the Lord. En Dieu. Your refuge. J'ai dit confie-toi en Dieu. I said trust the Lord your God, your refuge. Vous avez quelques minutes? Can I go a little bit longer today? Is that okay with you guys? Je ne peux pas vous laisser partir. Je vous ai dit tout cela. Si je ne vous donne pas comment le faire, je serai un mauvais. I would be a bad preacher if I didn't tell you how to trust the Lord. Ça, c'est bien de dire, mets ta confiance en Dieu. Mais qu'est-ce qui me donne des solides fondements pour mettre cette confiance en Dieu? It's one thing to say, yeah, you need to trust the Lord, but it's another thing to understand how to establish a firm foundation upon which you can trust Him. Écrivez, premièrement, Dieu ne ment pas. Number one, God never lies. Nombre 23, le verset 19. Numbers 23, verse 19. Dieu ne ment pas. He can never lie. Deuxième point. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Jérémie 1, 12. Number two, God is watching over His word to perform it. Jeremiah 1, 12. Troisièmement, Dieu ne brisera pas son alliance et tiendra ses promesses. Psaume 89, le verset 35. Third thing, God will never break His covenant. Psalm 89, 35. Voici qui me donne le fondement de ma confiance. These three verses are the foundations upon which you can build your trust. Dieu ne ment pas. God doesn't lie. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. He watches over His word to perform it. Il ne brisera pas son alliance. And mais He will never break His covenant with il His beloved. Il accomplit ses promesses. He accomplishes His promises. C'est ce qui me donne un solide fondement. Understanding this gives us a solid foundation. Qui me donne mettre ma confiance en Dieu. And this allows me to be able to trust the Lord my God. Alors on va faire 5 confessions rapidement. On va le faire en français d'abord. Après, Pasteur Catherine va le faire en anglais. Je sais qu'elle va tout retenir. Amen. Tu as ton écran. Merci Seigneur. Alléluia. We're going to make 5 declarations. First, all of them in French. Then I'm going to translate them from his screen so we can say them in English. Okay? Premièrement, Dieu est toujours avec moi. Je ne crains pas. Deuxièmement, Dieu est toujours au contrôle, je ne doute pas. Troisièmement, Dieu est toujours bon, je ne désespère pas. Quatrièmement, Dieu est toujours en train de veiller, je ne vacille pas. Et cinquièmement, Dieu est toujours victorieux, je n'échouerai pas. English speakers, say after me. God is always with me, so I will not fear. God is always with me. I will not fear. Number two, God is always in control. I will not doubt. God is always in control. I will not doubt. Number three, God is always good. I will not despair. God is always good. I will not despair. Number four, God is always watching, so I will not vacillate. God is always watching, and I will not vacillate. Number five, God is always victorious, I will never fail. God is always victorious, I will never fail. Alleluia, amen. Avant de laisser la place à Blondel, je vous inviterai à vous mettre debout. Before we give the microphone back to Blondel, I invite you to stand up, please. La raison pourquoi j'ai commencé mon message en vous disant ce que ces 5 années que ma famille a vécu. The reason I started my message by explaining to you what my family has gone through over the last 5 years. C'est parce que j'ai décidé que la saison 2020-21 sera différente. Is because I decided that the next school year, 2020-2021, will be totally different. Ce qui veut dire, je décrète que à partir de septembre 2020 jusqu'au mois d'août 2021, ce sera différent. I decreed over my life that from September 2020 to August 2021, everything will be different.
Voilà ce que je déclare sur moi, sur mon épouse, sur mes enfants. I declare this over myself, over my wife, over my children. Et je déclare cela sur l'église du Bon Berger. I declare it over the church of Bon Berger. Sur chacun des membres. And every one of its members. Je déclare que cette saison 2020-2021 sera une saison surnaturelle. I declare that the next season 2021 will be a season of the supernatural. Saison de faveur, bénédiction, percée, signes, prodiges, miracles. A season of favor and blessing and signs and wonders and miracles. Saison d'augmentation financière, saison où je vais prendre des nouveaux territoires. A season of new increased finances and new territories. Saison où je vais atteindre des nouvelles âmes et monter dans la grâce et l'onction de Dieu. A season of gleaning new weapons and going higher in God's grace. Une saison où je vais opérer dans une onction binaire. And a season where I will operate in a brand new anointing. Une onction apostolique et prophétique. An apostolic prophetic anointing over the church of Jesus Christ. Sur moi, sur vous. I declare this over myself and over you. Sur tous les membres de l'église. Over every single member of the church. Sur toi qui es à la maison. The one watching by internet. Je ne vais pas attendre le jeûne de Daniel. Je décide maintenant que 2020-2021 sera une saison de surnaturel. Don't wait till the Daniel fast. Decide today that 2021 will be a season of the supernatural. Oh, acclamons le Seigneur pour cela. Let's bless the Lord our God. Hallelujah.